Dans l'épisode du vendredi 3 septembre 2021 d'Un si grand soleil, Myriam, Pauline Paolini, est au chevet de Violette lorsque celle-ci meurt dans son sommeil. Elle est effondrée. Céline arrive à son tour, elle est aussi dévastée. Elles se soutiennent mutuellement. Myriam affirme à Céline que Violette l'aimait comme sa fille. En fin de journée, elle apprend néanmoins que sa tante avait pris des dispositions testamentaires. Elle pensait être la seule héritière. Elle est sous le choc. Laetitia, Shirley Bousquet, est étonnée que Serge, Laurent Fratal, n'ait pas eu de nouvelles de Manu, Moïse Santamaria. L'avocat relativise, il ne faut pas qu'elle s'en passe, rien n'a été volé, il ne s'agit pas d'une enquête prioritaire. En fait, cela l'arrange bien puisqu'il ne veut pas que les documents qui lui ont été dérobés tombent dans les mains de la police. Son détective privé se charge d'une enquête de son côté en secret. Laetitia joint Manu et il lui explique que l'investigation n'avance pas car Serge n'est pas du tout coopératif. Le flic demande à son ex de faire attention à elle et leur fille. Camille, Léonida rend la mort, est soulagée que l'enquête piétine et veut vendre la pochette. Kira, Colin Ramos Pinto, pense que c'est une mauvaise idée et lui demande d'arrêter. Elliot voit Gaspard en cachette dans Un si grand soleil. Alicia, Muriel Combo, est déterminée à retrouver du travail. Gaspard, François Le Guen, veut être certain qu'elle ne retrempera pas dans des affaires illégales. Elle lui assure que non et qu'il n'a pas à s'inquiéter. Elle compte rappeler ses anciens clients dont Guillaume, Manuel Blanc. Celui-ci lui explique qu'il n'a pas besoin de ses services et que sa réputation a été très entachée partout. Alicia poursuit ses démarches mais enchaîne les refus. Eve, Emma Colberti, téléphone à Elliot, Stéphane Monpetit, en vain. Elle passe le voir au bar mais elle tombe sur Dylan, Ishtvan Nekrasov. Elle lui demande si son fils a un problème. Il ne croit pas et ne sait pas où il se trouve. Eve commence à penser qu'Eliot a des ennuis. En parallèle, ce dernier rencontre Gaspard et lui donne de l'argent pour Alicia. Il le refuse. Il retrouve sa mère et a des cadeaux pour elle. Il révèle avoir vendu des affaires pour les lui acheter. En vérité, il fait d'étranges transferts d'argent sur Internet. Elliot finit par joindre sa mère, il est glacial. Eve craint qu'Alicia ne se venge de lui et elle a peur qu'il s'implique dans des affaires pas nettes. Ne pouvant lui dire qu'il est en mission pour la police, il coupe court à la conversation. À suivre dans Un si grand soleil. Nah.